si je ne termine pas aujourd'hui, je crois que nous allons terminer ce mercredi. À cause de la chaleur. Je voudrais prendre avec vous les livres de Genèse. Dans le chapitre 1. Genèse 1, Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir. Et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Ce matin, nous allons essayer d'étudier ces deux versets. Nous allons appeler cela pour les bandes. Nous allons appeler cela pour les bandes. L'intervalle entre Genèse 1 et Genèse 1. C'est le titre pour le band. L'intervalle entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. Lisons d'abord ici quelque chose dans entendre, reconnaître et agir. Entendre, reconnaître et agir. Nikwenza. Frère Manam dit au verset 1. Hier soir, je pense que David Duplessis. David Duplessis. Je ne le vois pas.
Badi bachoka ni dikala jumbo maisha makesa maisha kuri bayishi babitu kudi bambile bine Kristo babitu wakabidi. Nous sommes fatigués. Tukadi bachoka ni maisha. Nous sommes fatigués d'entendre des petits sermons. Tukadi bachoka wa kumbo maisha bitumba. Donné par des petits prédicateurs. Bayishi kuri bayishi bariki bayinashi ba manyato. À des petits chrétiens. Hein? Nous devons quitter des petits sermons. Tumbuka imumayisha bitu. Yisha. Petit. Tumayisha toa tukesa. Un petit sermon. Tumayisha toa tukesa. Donné par des petits prédicateurs. Bayisha kuri bayisha babana. T'es entré dans l'esprit de ce qui est dit ici. Hmm? On parle de petits sermons donnés par des petits prédicateurs. Et prêcher à des petits chrétiens. N'ayez pas peur, c'est pas moi qui dis ça, c'est Frère Branham. Hein? On est habitué à des petits sermons. Hein? Donné par un petit prédicateur. Il ne sait pas s'élever. Il garde les gens autour de parler en langue, tomber par terre. Des petits sermons. Mais aujourd'hui, tout l'espace est ouvert pour nous. Il faut voler plus loin. Il faut vous dire des choses qui n'ont jamais été montées dans le cœur de l'homme. Les choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix et pour lesquelles il a envoyé le prophète Branham. Non, on ne peut pas garder des petits chrétiens pour entendre des petits sermons donné par un certain petit prédicateur. Oh, écoutez. Quand vous parlez en langue. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel. Est-ce que nous avons ce qui est parfait? Frère Branham dit, nous avons l'interprétation parfaite de la parole de Dieu. Un Dieu parfait, l'interprétation parfaite par un prophète parfait dans une église parfaite. Donc, nous devons prêcher les choses qui vous fait tourner la tête. Et vous vous demandez si c'est vrai ou faux. Et quand vous trouvez que c'est faux, vous quittez. Parce que Frère Branham dit, nous prêchons des choses de manière à faire réfléchir les gens et à contraindre les autres à nous quitter. Vous dites ça? Mais Jésus a dit, et vous aussi, pourquoi vous ne voulez pas vous aller? Jusqu'à ce que vous direz, à qui d'autre irions-nous? Nous avons trouvé que tu as les paroles de la vie éternelle. Jusqu'à ce que vous arriviez à votre absolu.
Quand vous arrivez à votre absolu, alors en ce moment-là, vous êtes tranquille. Le bateau peut tanguer. Vous ne vous en faites pas. Vos yeux sont fixés sur votre absolu. Qui est votre absolu? La parole faite chair au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous n'allons pas vous faire entendre un petit sermon. Nous allons essayer de voler. Aller plus loin. Donc, soyez certains que si je ne termine pas aujourd'hui, nous terminerons mercredi. Maintenant, reprenez avec moi la lecture. Dans Genèse chapitre 1. Tout le monde lit Genèse 1. Nous aussi. Mais nous ne lisons de la manière un peu différente. Au commencement, ça c'est quand les choses ont commencé. Donc, Moïse Mosa a parlé du commencement. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 1, il dit aussi au commencement. Donc tout le monde est allé jusqu'au commencement. Mais je vous informe qu'il y a eu un prophète qui est allé au-delà du commencement. Qui nous a parlé de choses avant que le commencement ne commence. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler du commencement. Nous n'allons pas seulement parler du commencement. Mais nous allons essayer d'aller au-delà du commencement. Au-delà. Or, quand nous allons au-delà du commencement, nous allons à l'éternité. Nous allons dénicher Dieu là où il était et revenir avec lui. Maintenant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous suivez très attentivement la lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Arrêtons-nous d'abord là. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, au verset 2, subitement, Moïse dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Il y a eu une distorsion quelque part. Parce qu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Moïse regarde la terre, il voit la terre informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et
Alors si vous amenez une lecture intellectuelle ou une lecture sans prophète du livre de Genèse, ça vous fait savoir qu'au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, puis la terre à son état original était informe, vide, chaotique et recouverte de ténèbres. Alors puis Dieu dit la lumière soit, et la lumière dissipa toutes les ténèbres. Ça c'est quand tout le monde qui lit sans prophète, c'est comme ça qu'il comprend. Même moi je comprenais comme ça. Mais le prophète apporte la lumière. Il est l'interprète de ce qui est écrit. Je vous informe que l'esprit qui a écrit la Bible a vécu dans un homme appelé William Branham. Alors cet esprit là peut interpréter correctement la Bible. Frère Branham dit, il dit, la Bible est une lettre d'amour. Il dit par exemple, je suis en voyage missionnaire, puis ma femme m'écrit une lettre. Il dit, cher Bill, j'ai terminé à travailler, il est soir, il est 22h, tous les enfants sont couchés, alors j'ai terminé à travailler, j'ai couché tous les enfants, maintenant je me suis mis à la table pour vous écrire. Alors frère Bana me dit, comme je l'aime et qu'il m'aime, quand je lis cette lettre, je ne lis pas ce qui est écrit, mais je vois sa pensée dans ce qui est écrit. J'essaye de la comprendre. Il dit, ainsi en est-il de la Bible. Ça c'est une lettre d'amour. Et il n'y a que les gens qui connaissent Dieu qui peuvent comprendre mieux cette Bible. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, la lecture des événements du commencement ne doit pas se lire de cette manière-là. Donc, vous ne devez pas lire cette Bible comme un journal. Vous ne devez pas lire et comprendre les choses comme cela. Il y a un prophète qui découpe les événements et qui vous montre que ça c'est ça et ça c'est ça. Et ce prophète est venu dans ces derniers jours. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, d'avoir reçu un tel prophète. Maintenant, la première question que nous devons nous poser: combien croient ici que Dieu est parfait? Amen. Amen. Sœur, mettez-vous correctement. C'est pas dans une salle de classe ici où vous devez, ou dans une dénomination où on n'a pas de respect pour Dieu. Maintenant, Dieu Zambi est parfait. La perfection même c'est Dieu. Amen. Amen. Un Dieu parfait. Zambi mwaka na chishiki.
Quand tu ne peux faire, créer une chose, il ne peut que créer que ce qui est parfait. Comment comprenez-vous? Comment le Dieu de toute perfection a-t-il pu créer la terre dans un état chaotique? Quelque chose d'affreux, quelque chose d'informe, quelque chose vide, quelque chose du dé, quelque chose d'affreux. Dieu ne peut pas créer une telle chose. La Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors le Dieu lumière ne peut pas créer les ténèbres. Le Dieu lumière ne peut pas créer une chose sans forme. Le Dieu parfait ne peut pas créer quelque chose de chaotique. Parce que Frère Manam dit dans le verset 2 que la terre était chaotique et qu'elle était remplie de ténèbres. Et vous savez tous que les ténèbres, ce sont de mauvaises choses. Les ténèbres n'ont jamais représenté Dieu. Les ténèbres représentent Satan. Dieu est lumière. Et ses enfants sont lumière. Alors nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu de toute perfection a-t-il pu créer la terre dans un état chaotique. Quelque chose d'affreux, quelque chose sans forme, quelque chose vide, quelque chose du deux. Maintenant, dans la puissance de Dieu pour transformer, prêchez en 1965, le 31 octobre 1965, maintenant, verset 49, maintenant, dans Genèse, le premier chapitre, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et la Bible dit, au commencement là-bas, le monde était informe et vide. Il n'y avait rien que les ténèbres et le chaos. Il n'y avait rien. Il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait que le chaos. Alors soyez rassurés que Dieu n'est pas l'auteur de ténèbres ni du chaos. Il y avait les ténèbres et le chaos. Et dans quelle horrible forme elle a dû être. Horrible forme. Il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait que le chaos. Et la terre était dans une horrible forme. Et le bouillonnement de l'eau. Et cette étoile filante qui tournait sans cesse autour des orbites là quelque part, cela a dû être une masse formidable de quelque chose de perdu comme ça n'était, qui ne pouvait pas trouver son chemin. Amen. Le prophète dit,
commentant le verset 2, il dit que la terre était dans un état chaotique. Il n'y avait rien que les ténèbres, sans lumière, mais rien entrant dans les ténèbres. Rien. Mais entrant là dans les ténèbres, sans lumière ou quoi que ce soit, et le bouillonnement de l'eau, et cette étoile filante, cette étoile filante qui tournait sans cesse autour des orbites, cela a dû être une masse formidable, quelque chose de perdu. Au commencement là, au verset 2, Frère Banham dit la terre, c'était déjà quelque chose de perdu, comme ça n'était, qui ne pouvait pas trouver son chemin. Il dit, et c'est ce que nous devenons quand nous devenons des étoiles filantes, éloignées de Dieu, simplement sans espoir, sans Dieu, juste bouillonnant dans les ténèbres dehors, ne sachant où nous allons. Alors Dieu regarde la terre au verset 2 avec la pluie de Malachie 4. Il dit la terre était chaotique, quelque chose de perdu, quelque chose qui ne pouvait pas retrouver son chemin, et il y avait comme une masse formidable autour des orbites, une étoile filante autour des orbites qui a rendu que la terre devienne dans un état chaotique et qu'il y ait des ténèbres et qu'il n'y ait pas quelque chose qui pouvait faire que la terre retrouve son chemin. Cet état-là, c'est ce que nous devenons quand nous nous éloignons de Dieu. Nous devenons dans un état ténébreux. Et c'est ce que nous devenons quand nous devenons des étoiles filantes, éloignées de Dieu, simplement sans espoir, sans Dieu, juste bouillonnant dans les ténèbres dehors, ne sachant où aller. Ça, c'était l'état de la terre. Quelque chose de perdu. Et Dieu, nous sommes au commencement. Il est en train de créer. Alors, il ne crée pas quelque chose de perdu. C'est qu'il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé pour que la terre se retrouve dans un état chaotique. Que la terre soit dans un état où elle est perdue, qui ne peut pas retrouver son chemin. Frère Banham dit, c'est la même chose que nous devenons. Amen. Amen. Maintenant, quand il a vu la terre comme ça, vous y êtes? Et Dieu a pris ses grands chaos de ténèbres, l'a transformé en un jardin d'Éden.
je veux que vous puissiez suivre attentivement. Donc auparavant, il n'y a pas eu les jardins d'Éden. Il n'y avait que le chaos. Il n'y avait que le ténèbres. La terre perdue. Une masse qui tournait autour des orbites. Quand Dieu regarde, il dit ce n'est pas vrai. Dieu prend tout ce chaos-là. Dieu prend tout ce qui était en forme là. Dieu prend tout ce qui n'était pas selon lui. Il a transformé ça dans un jardin de terre. Voyez-vous, par sa parole. C'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et cette masse de création est venue aux alentours du soleil et a commencé à tourner autour du soleil et est devenu un jardin d'Éden. Car elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a fait une volonté parfaite de Dieu. Elle a été transformée du chaos à un jardin d'Éden. Amen. Il n'y avait pas de jardin d'Éden. Il n'y avait rien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Dieu a commencé à dire que la lumière soit au verset 3. Mais la terre, elle, était déjà informe et vide. Et Dieu de la création, Dieu de toute perfection, ne peut pas créer quelque chose d'informe, de chaotique. Dieu n'est pas l'auteur du chaos. Dieu n'est pas l'auteur des ténèbres. Dieu est l'auteur de la perfection. Si vous comprenez, dites amen. La terre était informe et vide. Et après Dieu dit que la lumière soit. La puissance de Dieu pour transformer. Prêché le 11 septembre 1965. Paragraphe 21. Je méditais ce matin sur Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. Alors je me demande, ils viennent d'où? Puis-je le dire à ma manière? Quelque chose a dû échapper à Moïse. Mais que le prophète de l'âge a saisi. Dans la dictée de Moïse, Moïse n'a pas compris bien. Très bien quelque chose. Mais il a été promis. Quand
L'ange va descendre. Christ lui-même. Tout le mystère de Dieu seront révélés. Et nous sommes en ce temps-là. Le temps où tous les mystères doivent être révélés. Parce que Moïse dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y avait les ténèbres. La terre était informe. Non, Moïse. Moïse. Comment Dieu qui commence à créer, il crée quelque chose d'informe. Moïse, explique-moi comment Dieu crée quelque chose de chaotique. Explique-moi, Moïse. Et Moïse me dit, il y a quelque chose qui m'a échappé, mais qui sera révélé au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Et je vous dis avec beaucoup de respect, les messages de William Branham. Frère Branham dit, Dieu ramasse tous les mystères qui n'ont pas été révélés dans l'âge. Il rassemble les mystères. Il le donne au dernier ange qui court avec les mystères. Il le révèle à la dernière église qui est sur la terre. Donc vous êtes le but final de Dieu. Vous êtes la station, la dernière station. Le point final. La course de Dieu se termine avec vous. Après vous, il n'y a pas de course. Dieu a terminé la course. Amen. Je méditais ce matin sur Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. Rien que le chaos total. Dieu mon Dieu à moi créé le chaos total. Chaos, c'est-à-dire quoi? Il traduit chiboule, ce n'est pas ça. Chaos, c'est un désordre inexplicable. C'est ça le chaos. C'est un désordre que vous ne pouvez pas expliquer. C'est comme Monsieur Mobutu disait, après moi c'est le déluge. C'est le chaos. C'est-à-dire le désordre. Donc le chaos signifie un désordre total. La terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. Rien que le chaos total. Et pendant que le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tous les tableaux a été changé. Tableau. D'un chaos total à un jardin d'Éden. Donc vous voyez que Dieu va partir du chaos pour amener quelque chose de perfection. Un jardin d'Éden. Quelque chose qui lui ressemble. Cette puissance
transformation de Dieu. Tu peux prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. C'est la puissance de transformation. En lisant les Écritures, nous comprenons que Dieu a préparé cet Éden pendant 6000 ans. Eh bien, il n'a peut-être pas mis autant de temps, mais juste en présumant et en prenant cela de l'Écriture qui dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu comptait le temps, et disons qu'il a pris 6000 ans pour créer la terre et la planter sur la terre et planter sur la terre toutes les bonnes semences, tout était parfait. Amen. Amen. Maintenant, Pindio. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel et la terre qu'il a créé, ce n'est pas l'Éden dans le chapitre 1 et verset 1. L'Éden est venu après. C'est l'Éden dont Frère Branham dit qu'il a pris 6 jours pour créer Éden, ou 6000 ans, mais pas la terre. Est-ce que vous comprenez la différence? La terre est elle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre est elle. Était informe. Était chaotique. Les ténèbres sur la terre. Dans cette condition-là, Dieu regarde la terre. Il prend maintenant les chaos là. Il prend toutes les ténèbres là. Il crée l'Éden pendant 6 jours ou 6000 ans, et il place Éden sur la terre. Il place toutes les semences. C'est alors que Dieu dit que tout était parfait. Quand vous lisez le verset 1 et 2, quand vous arrivez au verset 2, on dit la terre était informe, la terre était vide, la terre était chaotique. Dieu n'a pas dit que c'était bon. Mais quand Dieu a vu ça, l'œil de l'aigle monte maintenant. L'œil de l'aigle est... il voit Dieu à partir de la terre chaotique, à partir de tous les ténèbres. L'œil de l'aigle voit Dieu qui commence à dire que la lumière soit. Nous allons y arriver. La création maintenant commence. Dieu commence à ranger la création. Il commence à donner la forme à la terre qui était sans forme. Dieu commence à faire cela. Alors, Frère Banamedi,
Verset 25. C'est pourquoi, sachant qu'il est le seul créateur qui existe, il n'y a rien d'autre. Satan ne peut pas du tout créer. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Mais c'est Dieu le seul créateur. Eh bien, nous voyons bien qu'à plusieurs reprises, c'est comme si la Bible dit ou répète quelque chose qu'elle ne le dit pas. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il continue ainsi. Et plusieurs choses arrivent sur la terre. Plusieurs choses arrivent sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est-il parfait? La perfection ne peut pas créer le chaos. Frère Banamji, Dieu se reflète dans sa création. Alors, mes frères et sœurs, quand Dieu se reflète dans sa création, Dieu ne se reflète pas dans un chaos. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va pas se refléter dans les ténèbres. Vous ne voyez pas les ténèbres et dire, wow, voilà Dieu. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas en lui. Dieu se révèle dans sa création. Si Dieu est parfait, sa création est parfaite. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 1. Ce n'est pas un petit sermon maintenant. Nous allons essayer de prendre un morceau consistant. Maintenant, Romains 1, chapitre 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Écoutez maintenant. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, les perfections invisibles de Dieu se montrent depuis la création du monde. Quand on le voit dans ses ouvrages, l'œuvre de quelqu'un reflète cet homme. Pour juger un homme, voilà l'œuvre qu'il fait. Regardez à son œuvre. L'œuvre vous
alors vous voyez Dieu. Amen. Amen. Et regardez un homme construire une maison. Quand vous regardez à cette maison, vous ne voyez pas une maison bizarre. Donc vous voyez sans forme. Ça reflète ce qu'est l'homme. Quand vous voyez un homme aller se marier, si vous voulez savoir quel genre d'homme, regardez à la femme qu'il choisit. La femme reflète cet homme-là. Et l'œuvre de Dieu reflète son créateur. Dieu est dans sa création. Dieu se reflète par sa création. Dieu ne peut pas se refléter dans les ténèbres. Dans quelque chose qui est chaotique. Amen. Amen. Bref, ce bonhomme ne nous dit pas une telle chose. Il nous dit que Dieu se reflète par son œuvre. Et la Bible dit, les perfections invisibles de Dieu se voient au travers de son ouvrage. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Frère Banam dit, la communion par la rédemption. Il dit, quand Dieu créa le premier homme, il créa le ciel et la terre. Et quand Dieu se retire de sa vieille création, se retire de sa vieille création, il s'éloigne un peu pour regarder. Quand Dieu se retire de sa vieille création, en jetant un coup d'œil, ce n'était pas dans le but de la juger. Il la regarda et dit comme elle est belle. Oh, elle l'admira. Oh là 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 là, le voyez-vous? Il le regarda et vit que cela était bon. Tout était parfait. Les arbres, tout, l'homme, la femme, tout était parfait. Il dit, cela est très bon. Mais Satan a perverti cela. Satan a diabolo wakatuche bintu ebikatungo. Quand Dieu a vu que cela était bon, parce que Dieu est dans sa création, il dit dans la parole, parlez la semence originale. Il dit, c'est pourquoi nous croyons que c'est la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Et tout ce que Dieu a créé par sa parole est originel. Tout ce que Dieu a créé par sa parole est originel. Et Dieu ne peut pas créer les ténèbres parce qu'il ne peut pas se refléter dans les ténèbres. Et Dieu n'est pas l'auteur du chaos. Il ne peut pas se refléter dans le chaos. Il ne peut pas s'identifier dans le chaos. Dieu est l'auteur de tout ce qui est bon et parfait. Et tout ce que Dieu a créé est parfait. Et Amen. Amen. Et Frère Banam dit, c'est la raison pour laquelle Ève a pu faire ce qu'elle a fait. De sa propre semence, ce qu'elle n'était pas dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. Les sœurs peuvent vérifier, mais c'est la vérité. Mais elle n'est pas dans la création de Dieu.
Dieu créa tout. Ensuite, il prit une partie de sa création, il en fit une aide. Pas dans la création originelle. Il n'était pas dans la pensée originelle de Dieu. La terre était en forme vide. Ça, c'est pas Dieu. Ce n'était pas ça la création originelle. Tout comme la femme est la création de Dieu, mais elle n'était pas dans la création originelle. Mais elle était la création. Pas la création originelle. C'est pourquoi le diable s'empare toujours de la femme. Si vous voulez un chaos, laissez les mains libres à la femme. Si vous voulez le désordre, laissez les mains libres à la femme. La femme n'est même pas dans la création originelle. Elle ne peut pas penser comme Dieu veut. La Bible dit dans le livre de Genèse, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit, la femme est devenue comme l'un de nous. Reçu le discernement. Amen. Amen. Si vous voulez évangile, écartez la femme. Si vous voulez que les choses marchent correctement, enlevez la femme. Vous verrez que si nous avons une église sans femmes, nous serons en paix. Allez dans les églises. Voyez toutes les églises avec les dons. Regardez, ce sont les femmes. Et frère Balaam dit, là où il y a le don, il y a le désordre. Le désordre là, c'est la femme. Si vous voulez un évangile social, commencez seulement avec les femmes. J'aurai un grand ministère. Si les femmes vous soutiennent, vous avez du succès. Parce que le monde appartient à la femme. Vous comprenez? Mais elle n'était pas dans la création originelle. Qu'est-ce que je vais vous faire avaler? Je vais vous faire dire que le verset 2 n'était pas la création originelle de Dieu. Quelque chose a dû arriver au verset 2. Amen. 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 Sœur, ne soyez pas fâchés contre moi. Vous savez que par vous aussi, le Sauveur est venu dans le monde. Amen. Amen. Amen.
Dieu a choisi la femme pour lui donner une valeur. Au lieu que le sauveur descende comme un ange, il a dit emprunter le ventre d'une femme pour venir sur la terre. Parce que vous êtes la même vase qui a amené la mort, alors vous deviez être la même vase par laquelle la vie devait venir. Hallelujah! Amen. Ah, nous avons un évangile équilibré. Amen. Amen. Donc Dieu est dans la création. Un de mes bons amis qui se tient là au fond, il est le fils d'un de mes copains, un ami de toujours, le petit Jim Poul. Et bien son papa et moi, nous avons grandi ensemble à l'école. Oh, quel brave garçon. Le petit Jim et moi, nous prions constamment pour que les grands Jim deviennent chrétiens. Un vrai croyant. Le petit Jim et moi, nous étions en train de parler hier sur le fait que nous avions trouvé Dieu dans le bois et que nous l'avions vu dans la nature. C'est là que vous le trouvez. Parce qu'il est un créateur. Et il est dans sa création. Dieu se reflète dans sa création. Il s'identifie dans sa création. Dans deux appropriés. En premier lieu, il y avait Dieu. C'était Dieu. Jésus était Dieu sous la forme d'un homme. Même aujourd'hui, il est dur pour les gens d'avaler le fait qu'il était Dieu. C'est ce qu'il était. Il n'était rien moins que Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était le créateur dans sa propre création. Donc vous voyez, quand Dieu a créé Jésus, Dieu le créateur est venu habiter dans sa création. Parce que Dieu se reflète toujours dans sa création. Il était le créateur dans sa création. Par sa création et pour sa création, tout retourne directement à Dieu, toutes choses. Ne voyez-vous pas cela? Il était à tel point le créateur qu'il était Dieu. Il était un être sur la terre. Ce qui signifie qu'il devait avoir un commencement. C'est pourquoi il se créa lui-même un corps pour y vivre. Dieu lui-même se créa un corps. Voyez-vous? Afin que par cette création, il puisse sauver la création qu'il avait créé et qui était perdu. Donc nous voyons que Dieu s'identifie dans la création. Dans Christ, s'est identifié au travers de tous les âges. Le soleil se lève un certain matin comme un petit bébé qui naît. À 8h ou 9h, il est à l'école. À 10h, il sort de l'école. À 12h, il est à son âge mûr. Et ensuite, il commence à mourir. Mourir encore et s'enfonce à l'ouest. Et c'est tout avec lui. Puis il se lève le matin suivant pour témoigner la vie, la mort et l'ensevelissement. Voyez-vous, Dieu vit
dans sa création. Donc nous voyons que Dieu s'identifie dans sa création. Dieu vit dans sa création. Dieu s'identifie dans sa création. Et l'homme est jugé par son œuvre. Et l'homme, ses œuvres montrent ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait montre ce qu'il est. Si Dieu crée les ténèbres, alors c'est ce qu'il est. Il s'identifie dans ce qu'il est. S'il a créé le chaos, alors c'est ce qu'il est. Il s'identifie dans ce qu'il est. Parce que la Bible soutient toutes les perfections invisibles. Se montre par ses ouvrages. Amen. Amen. Alors nous voyons que Dieu est dans sa création. Il est jugé par son œuvre. Alors il ne peut pas créer quelque chose d'informe et de chaotique. Comment fait-il que nous lisons ici que la terre est informe, vide? Alors d'où provient les ténèbres qui entouraient la terre? Maintenant remarquez, nous commençons à entrer dans les choses que William Branham dit, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, mais ça reste dit. Maintenant, Genèse 1. Genèse, Wakumpal. Hein? Genèse, chapitre Wakumpal. Verset Wakumpal. Et Genèse 1, 2. Ni Genèse, chapitre Wakumpal, verset Mubidi. Nous avons dit d'abandonner des petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits chrétiens. Regarde. Nous sommes dans Genèse 1. Tu dis mon Genèse va comprendre. Verset 1. Chapitre va comprendre, verset va comprendre. Et ici nous sommes Genèse 1. Ah, pindé turmu Genèse chapitre nous wakumpalao. Verset 2. Pindé un verset mwibidi. Il y a un intervalle ici. Wakurwiga lantanta. Hangacha Genèse wakumpala verset wakumpala ni Genèse wakumpala verset mwibidi. C'est ce que j'ai appelé l'intervalle entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. Kichinga bigidi ni kuntanta. Hangacha Genèse wakumpala verset wakumpala Genèse wakumpala verset mwibidi. Maintenant, pindé. Prenez avec moi la parole parlée et la semence originale. Paragraphe 50. Ma fille là-bas, Rebecca, disait, Papa, à l'école, on nous a prouvé que ce monde est vieux des millions et des millions d'années. Mais à mon avis, alors ça, Rebecca dit, alors n'est-ce pas en contradiction avec la Bible? Frère Baname dit, ah non, pas du tout. On nous a enseigné à l'école
que ce monde ici est vieux de millions et de millions d'années. Papa, papa, est-ce que cela n'est-il pas en contradiction avec la Bible? Papa dit, papa, ah non, pas du tout. Qui m'a mouton? Pas du tout. Qui m'a mouton? Eh bien, a-t-elle dit? Les différentes études de roches et de formation des stalactites et des stalagmites. Dilonga, diabitu, bibikala mundo mwabulobebo. Et ainsi de suite. Nibiko abo. Prouve qu'il y a des stiations des millions d'années, alors que Dieu a dit qu'il avait fait le ciel et la terre en 24 heures. Dans 24 heures. Est-ce que ça ne prouve pas la fausseté? Ne démontre pas la fausseté de la Bible? Non. Si vous remarquez, Dieu, quand il a parlé à Moïse dans la Bible, il a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Vous y êtes? Le verset 1. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Point. Il n'est pas à relier avec le verset 2. Vous comprenez? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Point. Combien de temps ça a pris? Ce n'est pas notre affaire. Ce qui vient ensuite, ce qu'il présente le temps où il a mis les semences dans la terre. D'abord, Kumpal, Dieu a créé le ciel et la terre. Point. C'est fini. Kujika. Ensuite, Hashishé. Ça c'est quelque chose qui est venu après. D'abord, Kumpala, Dieu a créé le ciel et la terre. Zambi, wani kufuka maulu kufuka ni buloba. Point. Kushika. Combien de temps cela a pris? Il lui dit que ce n'est pas notre affaire. Mais au commencement, ça a pris peut-être des centaines, des milliards, des billions d'années. Le verset 1, il y a eu des millions d'années. Quand il arrive dans le verset 1, Dieu a créé le ciel et la terre. Point. Oui, man. Des millions d'années sont venues. Millions ya bidimu, bidimu kuhitabi. Des milliards. Milliards ni milliards ya bidimu.
des billions. Billions ni billions bien bidimu. Nous sommes toujours au verset 1. Tu donnes mon vin, c'est wakum parwa jeune, c'est wakum palao. Et on commence par dire à créer les cieux et la terre. Récitation. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Point. Combien d'années? Milliards, millions, trillions d'années. Une période de temps incommensurable. Mais Dieu créa les cieux et la terre. Point. Cela règle la question. Il dit, c'est la première étape. Dieu ne commet pas d'erreur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Combien d'années? Millions. Trillions. Milliards. Billions. Billions. Trillions. Trillions. Ici, Ahanaka, c'est la première étape. Est-ce que vous dites amen? C'est la première étape. Cette étape a duré des millions, des trillions, des billions d'années. C'est pourquoi Frère Madame dit, non, ce qu'on vous a dit à l'école là, ma fille, c'est pas faux, c'est vrai. Mais les gens lisent mal la Bible. Ce que Dieu a créé pendant 6 jours, ce n'est pas le verset 1. C'est quand il a commencé à créer Éden. Au verset 1, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Point. Combien d'années? Millions. Trillions. Milliards. Cela règle la question. C'est la première étape dans la création. Première étape. Compte à rebours. Paragraphe 24. Les prophètes. La parole. L'absolu. Tout a été fait des choses invisibles. Voyez, le naturel est donc le reflet du spirituel. Eh bien, pendant que je faisais une étude il y a quelques jours, et je crois en avoir fait mention hier soir en passant, j'ai suivi à la radio, quand je revenais du Canada, un docteur ici aux États-Unis qui avait déclaré que l'homme comptait 14 millions d'années d'évolution. On avait déterré un os là en Italie vers les années 1800. On disait que cet os devait être un os humain qui avait
que cet os devait être un os humain qui pouvait avoir l'âge. Comment on a fait pour en déterminer l'âge? Et ce docteur, un vieil homme, il a consacré toute sa vie à étudier cet os. Il a dit, ça c'est l'os d'un homme et il a 14 millions d'années. Eh bien, quelle stupidité! Alors nous avons l'historien Branham qui va nous dire des choses vraies. Le vrai scientiste. Il dit, quelle stupidité! Qu'un homme se soit sacrifié pour rien. Essayant de refuter la parole de Dieu. Et il n'en a rien obtenu. C'est une destination sans fin. Et tout le monde sait que lorsqu'on enterre un os, en l'espace de 20 ans, on enterre. En l'espace de 20 ans, cet os change. En l'espace de 100 ans, cet os est presque détruit. Il en reste à peine des morceaux. Et peu importe les conditions dans lesquelles vous les conserverez, voyez-vous, que deviendra cet os dans 1000 ans? Dans 10 000 ans? Qu'arrivera-t-il? Multipliez cela par 1 million d'années. Puis par 14 fois 1 million. Frère Branham dit, ce n'est même pas censé de penser à une chose pareille. Un os ne pourrait pas durer 14 000 ans. Peu importe les conditions de conservation. Rappelez-vous, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Amen. Amen. Tout le monde le sait. Ce docteur a dû ramasser quelque chose qui ressemblait à un os ou quelque chose de ce genre. Comment peut-il déterminer avec précision que cela avait 14 millions d'années? Ce qui est vrai, Dieu a créé l'homme sur la terre il y a 6 000 ans. C'est tout. C'est la vérité. Maintenant, quand l'homme vient sur la terre, il y a seulement 6 000 ans. Mais quand Dieu a créé la terre dans Genèse 1:1, millions, milliards, billions, trillions d'années, cela n'a rien à voir avec l'homme. Cela n'a rien à voir avec l'Éden. L'Éden, est venu du chaos.
Mula ye ye mwatu kile mchimvundu. Dieu prend le chaos. Nzambi wangati chivuchimvundu. Il crée Eden. Rufuka pindye Eden. Continue. Tutungulukai. Frère Banamdi. Mwata wadi mikala wamba. Quelqu'un en discutait avec moi autrefois. Lors d'une de mes réunions, j'ai parlé de l'évolution de l'homme. Et j'ai dit qu'il n'avait que 6000 ans. Et cet homme a dit, eh bien, frère Branham, nous pouvons démontrer que le monde est vieux de millions d'années. Ainsi, vous êtes tout à fait en erreur sur ce dont vous parlez. J'ai dit, ne croyez-vous pas la Bible? Il a répondu, je crois que c'est l'homme qui a écrit la Bible. J'ai dit, en vérité, la main de l'homme a formé les lettres, mais le Saint-Esprit était derrière cette main. Amen. Amen. Et il a dit, vous devez reconnaître que les gens sont en erreur au sujet du monde. J'ai dit, la Bible n'est jamais en erreur. Jamais en erreur. Alors il a dit, eh bien, si le monde existait, dit-il, on peut voir comment les montagnes ont poussé à partir des volcans. J'ai dit, mais seulement vous lisez mal la Bible. Il a dit, et Dieu a créé ce monde en 6 jours, c'est ce que vous dites. J'ai dit, et bien la Bible ne le dit pas comme ça. Amen. J'ai dit, faisons maintenant un recul pour recevoir votre argument. Le premier chapitre de Genèse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Pendant combien de temps a-t-il fait cela? Je n'en sais rien. Il ne nous l'a pas dit. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Puis, la terre était informe. Puis, ça c'est venu après. Et tu l'as hachisha. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Zambi wakafuka mulu kufuka ni buloba. Puis, hachisha. La terre était informe. Buloba mufuka buyi mwenekelo. Ça c'est venu après. Et tu l'as hanyima. Puis, hachisha. À ce moment-là que Dieu commença à l'utiliser. Amen. Amen. Ainsi, les gens se cassent la tête pour rien. Dieu créa la terre. Il pourrait l'avoir créé en 6 milliards d'années. 100 milliards d'années. Je ne sais pas pendant combien de temps. Cependant, il l'a créé. Il n'a pas dit en combien de temps. Et le temps que cela a pris, ce n'est pas votre affaire. Il a dit seulement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis cela règle la chose. Combien de temps il a fait? On ne sait pas. Mais puis, c'est fini à un autre moment. Et puis, ce fut à un autre moment.
que la création commença alors à surgir de la terre quand il commença. Donc la terre, le ciel ont existé des milliards d'années. Nous sommes seulement dans le verset 1-1. Des milliards et des milliards d'années. La terre a existé. Mais il y a eu un puits. Puits est venu après. Puis c'est après. Mais au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Actuellement, il discute dans les écoles. Et autres au sujet du monde qui aurait été créé il y a des millions d'années. Et ils essaient de condamner la Bible et de dire qu'elle est dans l'erreur. Tout simplement, ils ne lisent même pas la Bible. Voilà tout. Parce que la Bible ne nous dit pas quel est l'âge du monde. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Quand? Comment? Cela nous ne le savons pas. Ceci est le début. Puis vient un point. C'est la fin de la phrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela peut avoir eu lieu il y a 100 millions ou billions d'années. Ou peu importe. Ou comment Dieu l'a fait. C'est lui qui le sait. Puis, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Amen. Donc nous remarquons que auparavant, Dieu a créé le ciel et la terre. Il s'est arrêté ici. Point. Maintenant, avant d'arriver au verset 2, il y a des millions d'années ici. Qui sépare le verset 1 au verset 2. Donc il y a des millions d'années qui sépare ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, Pindewo, si vous remarquez bien, le problème est ici. Ici, quand Dieu a créé la terre ici, dans sa création originelle, cette terre était parfaite. Parce que le Dieu de la perfection l'a créé ainsi. Point. Maintenant, combien de temps? Millions. Millions. Milliards. Milliards. Billions. Billions. Trillions. Trillions. La terre était parfaite. Puis, Hanima. C'est ce que Frère Banam a dit. Puis, la terre était informe et vide. Ça, c'est après.
Mais Kadi, le verset 1 verse wa kumpal, de Genèse 1 wa Genèse wa kumpal, dit seulement yeye nakane, au commencement dilu, Dieu créa le ciel et la terre. Zambi wakafuka diul, mawulu kufuka ni buloba. Point. Wajik. Millions d'années ont passé. Millions ya bili mukuitai. Trillions d'années ont passé. Trillions ya bili mukuitai. Billions d'années ont passé. Billions ya bili mukuitai. Milliards d'années sont passées. Milliards ya bili mukuitai. Dans cet état là, mungika luvu bwewo, la terre était toujours parfaite. Bulobe bubu akare bubu bikere bwagane chishiki. Pendant des millions d'années, des millions d'années. Mungika billions ni billions ya bili mwebi. Frère Manabu dit oui. Mwana tabamu dwambe ni hanyima. Donc c'est après le verset 1. Hanyima mwina kwambe ni hanyima hanverse wa kumpala Genesis wa kumpala leo. C'est-à-dire après les millions et les millions d'années. Hanyima ha millions ni billions ya bili mu. Nous arrivons maintenant dans le verset 2. C'est là où il dit que la terre était informe. Et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Ça, c'est dans le puits. Puits. C'est venu après. Puits. La terre était informe. Mais à la création originale, elle n'était pas comme ça. Dieu a créé l'homme. L'homme était parfait. Puis, il créa la femme qui n'était pas dans la création originale. La femme est venue dans le puits. Ici, la terre informe est venue dans le puits. Mais dans la création originale, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Point. Terminé. Combien de temps? Des millions d'années. Combien de temps? Des milliards d'années. Combien de temps? Des trillions d'années. Alors la terre était toujours parfaite. Puis est venu après. Alors mes frères, il y a eu quelque chose qui doit être passé entre Genèse 1 et Genèse 1 2. Quelque chose a eu lieu ici entre cet intervalle. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Point. Maintenant, la terre est informe. Frère Benham dit, ça c'est puits. Mais verset 1, chapitre 1, verset 1, des milliards d'années. Ce n'était pas en un jour. Ce n'était pas dans 24 heures. Des milliards d'années. Vous voyez la pensée du prophète? Nous sommes un prophète. Qui est plus profonde que ce qui est écrit. Quand tout le monde lit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est fini. Pour où? Dieu, dans 24 heures, il a terminé. Non. Mais Frère Banam dit, il y a eu 2 millions. Des milliards, des trillions d'années entre cet intervalle-là. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que vous dites amen? Maintenant, des milliards et des milliards. Milliards ni milliards ya bidimu. C'est par ces deux périodes. Frère Bernard dit que ça doit être une période incommensurable. Une période
incommensurables. De millions et de milliards d'années. Maintenant, après les millions et les milliards d'années, c'est alors que nous arrivons au verset 2. Et au verset 2, on commence à nous dire, la terre était informe et vide. Il y avait un chaos sur la terre. Et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Maintenant, c'est après qu'il ait déjà créé le ciel et la terre. Le verset 2 n'est pas dans le verset 1. Il y a une période de temps qui sépare le verset 1 du verset 2. Entre ces deux périodes, il y a eu des millions d'années. Il y a eu des milliards d'années. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, progressons. Arrivons à la question-réponse sur la Genèse. Au paragraphe 24. Question-réponse sur la Genèse. Maintenant, Frère Banamadi. Reculons de 100 millions d'années. Or, ici, il nous dit. Dieu créa les cieux et la terre. Cela a pu prendre 100 millions d'années. 100 milliards d'années. 100 trillions d'années. Maintenant, il nous dit, reculons des 100 millions d'années. Ce qu'il fait, nous sommes quelque part ici. Alors, il nous dit de rentrer ici, il y a 100 millions d'années. Il dit, rentrons dans Genèse 1:1. Reculons des 100 millions d'années. Reculons même plus loin que ça. Reculons là-bas. Avant qu'il y ait même une étoile. La lune ou quoi que ce soit dans les morts. Bien. Il y ait un temps où il n'y avait rien ici. Tout était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité. Il était Dieu. Il était là au commencement. Il dit, bon, remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait même pas de mouvement d'atome dans l'air. Rien. Mais pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant suivons attentivement pendant quelques minutes. Personne n'a jamais vu cela. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Et il continue, il dit. Remarque. Maintenant, puis quelques temps après, je commence à voir
une petite lumière. Sa craie commençant à prendre forme. Comme un petit halo. Ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Il dit après un moment, je commence à voir la première chose qui commence à sortir de ce grand éternel. C'est une lumière. C'est un halo. C'est la parole. C'est le Fils de Dieu. C'est le Logos. C'est lui qui commence à sortir. Ce n'est pas les ténèbres qui ont commencé. Rentrons il y a 100 millions d'années. Il n'y a rien. Il n'y a même pas les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y avait que Dieu. Maintenant, je vois sortir un petit halo. Une petite lumière. Cette lumière, c'est la parole. C'est le Logos. C'est le Fils de Dieu. C'est la colonne de feu. C'est la première chose qui apparaît. C'est la première chose qui vient. Ce n'est pas les ténèbres. C'est la lumière. C'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est l'attribut de Dieu. Maintenant, pour vous qui ne croyez pas, c'est que la vie là, c'est la même colonne de feu qui est au-dessus. C'est la même lumière qui est sortie. Il n'y avait pas de ténèbres. Frère Branham dit, il n'y avait pas de ténèbres. Les rentrons il y a 100 millions d'années. Il dit, il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait rien. Mais quand j'ai observé avec les yeux surnaturels, j'ai vu une lumière qui commençait à sortir. Un halo de lumière. Qu'est-ce que c'est que cet halo de lumière? C'est la parole. C'est le Logos. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui commence à se donner une forme pour être vu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Laissez-moi l'enfoncer encore. Même Jésus-Christ était le corps qui voilait Dieu. Mais Dieu était à l'intérieur. Cette colonne de feu était à l'intérieur. Maintenant j'ai vu la lumière. C'est cette lumière qui est sortie. C'est cette lumière qui a commencé à créer. Quand Dieu a commencé à créer, il était la colonne de feu. Il a quitté les grands Jéhovah, les grands esprits qui remplissaient toute la terre. Il s'est donné une forme, une lumière, un halo de lumière qui commençait à sortir. Et dans cette forme-là, il a dit que la lumière soit, parce que lui-même était la lumière. Le frère Branham dit, la première lumière qui a existé, c'est la parole de Dieu manifestée. C'est la première lumière qui a existé sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, quand il créa les écureuils, la présence de cette colonne de feu était autour de son prophète. Parce que c'est la puissance créatrice. C'est la plénitude de Dieu. C'est la lumière qui est sortie au commencement. À ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas le diable. Parce que le diable, c'est le ténèbre.
commencé, il était seul. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous faire du bien. Il n'était pas réellement seul, mais vous étiez en lui. Vous étiez une partie de lui. Savez-vous que vous êtes vieux comme Dieu est vieux? Vous n'êtes pas plus jeune qu'Abraham. Vous n'êtes pas plus jeune que Moïse. Parce que Abraham et Moïse et moi, nous étions tous dans la pensée de Dieu. Côte à côte dans la pensée de Dieu. Nous formions des particules de Dieu. Nous formions des atomes de Dieu. Mais seulement nous sommes manifestés dans des âges différents. Mais nous avons le même âge. Laissez-moi vous déclarer. Si vous étiez dans la pensée de Dieu, si la pensée de Dieu est éternelle, vous êtes aussi éternel. Voilà pourquoi vous ne mourrez pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Voilà pourquoi même pas les péchés ne peuvent pas vous amener dans la prison. Dieu va vous suivre. Dieu va vous aider. Même si vous êtes bloqué par le diable. Ainsi dit le Seigneur. Vous allez faire sortir. Pourquoi? Vous êtes cette pensée éternelle de Dieu. Alors quand Dieu créait, est-ce que vous aimez ça? Quand Dieu créait, vous créiez avec lui. Quand il lui disait que la lumière soit, vous étiez en lui. Quand il a vu la terre forte, alors Dieu regarde la terre forte. Vous avez regardé à la terre forte. C'est vous qui avez dit à Dieu, Père, comment je peux aller dans une terre forte? Dans une terre sans forme. Là où il y a les ténèbres. Alors Dieu a dit, ne t'en fais pas, fils. Avant que je te manifeste sur la terre, je vais arranger toute la terre pour toi. C'est comme un papa qui attend un enfant. Il va tout arranger. Il va acheter un berceau. Il va acheter des petites choses. Parce qu'il sait que l'enfant va venir. Dieu savait que tu allais venir. Alors il devait arranger la terre. Parce que quelqu'un avait pollué la terre. Alors Dieu devait commencer à arranger ça. Amen et amen. Amen, amen. Il y avait la lumière. Et cette lumière là, Dieu dit que la lumière soit, parce que lui-même était la lumière dans la cruauté du péché. Frère Banam dit cruauté du péché. Paragraphe 33. Il dit aujourd'hui, paragraphe 39, il dit maintenant, je vais vous dépeindre juste un petit tableau. Faisons tous un petit voyage ce soir. Dans un petit navire. Un petit vaisseau spatial. Un aéronef. Mundeka. Retournons à 100 millions d'années. Avant qu'il y ait un monde. Avant même qu'il y ait une étoile ni quoi que ce soit. Là, vous ne voyez que l'espace. Et cet espace, c'était Dieu. Alors, nous voyons venir à l'existence. Une petite lumière. Nous appelons cela pour ainsi dire un halo.
C'était le Fils de Dieu, le Logos, qui est sorti de Dieu au commencement. Alors, pendant qu'il se trouvait là, lui, dans sa pensée, il a commencé à penser à ce que serait le monde. Il s'est représenté tous ces tableaux dans sa pensée. Il s'est représenté tous les tableaux. Et maintenant, il s'est représenté comment le monde devait être. Et il a dit que la lumière soit. Quand il a dit ça, un atome s'est scindé. Un atome s'est scindé et s'est mis à se diviser. Et il y a eu une explosion atomique. La première explosion atomique. Et alors ces atomes ont commencé à s'accumuler jusqu'à former des cendres. Et au fur et à mesure que l'humidité venait, ça commençait à se former. La Bible vous dit seulement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Branham est en train de vous expliquer comment la terre est venue. Il dit, quand il a dit ça, alors un atome est sorti. Et un atome a commencé à se diviser. C'était comme une boule de feu. Puis il y a eu un refroidissement. Et maintenant ces atomes sont venus ensemble. Et ils ont formé du sable. Et maintenant après, une étoile est apparue. Un projectile s'est détaché. Et a commencé à naviguer dans les airs. Dieu l'a observé pendant quelques millions d'années. Puis il l'a arrêté. Il n'était pas pressé. Il l'a arrêté. Et cela a formé la terre. Et Dieu ne comptait pas. Et un autre morceau s'est détaché. Il est sorti. Et il l'a arrêté. Qu'est-ce que c'est? Cela a formé un autre astre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il écrit sa première Bible. La première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans les cieux, le zodiaque. Elle a commencé par la Vierge, et c'est comme ça qu'il est venu la première fois. Donc nous voyons que ces choses commencent à se former. Commencent à se former. Commencent à former la terre. Commencent à former les ciels. Commence à former le soleil. Dans question-réponse sur la Genèse. Il revient, il dit. Maintenant, retournons donc là en arrière. Au commencement de l'apparition de ce petit talon. Nous ne voyons encore rien. Mais avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halon qui se tient là. C'est le Logos. C'est le Fils de Dieu. Je peux le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Voyez-vous? Et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Et quand il lui dit cela, un atome éclata. Un atome éclata. Et le soleil vint à l'existence. Il a tourbillonné pendant
aujourd'hui. Brillant toujours. Faisant encore éclater d'autres attentes. Si jamais on faisait exploser une bombe atomique, la chaîne atomique, cette terre deviendrait comme le soleil. Il va commencer à briller comme le soleil. Parce que vous savez, Frère Banam dit que quand vous êtes assis bombant le torse là, vous êtes assis sur l'enfer. Vous êtes assis sur une boule de fer. Vous êtes assis sur une bombe. Sur une marmite atomique. Et si vous tenez sur une autre planète, et que dès là vous regardiez ici, cette terre paraîtrait comme un soleil. Et les atomes seraient en train de brûler cette terre. Si jamais cette réaction en chaîne venait à se déclencher. Si jamais cette réaction en chaîne venait de se déclencher. Et elle se mettrait à tourner, à tourbillonner comme cela. Et ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards de degrés s'échappent de ce soleil jusqu'à des millions et des millions de kilomètres. Voyez, c'est comme ça qu'il file le soleil. Et alors la première chose, vous savez, un gros morceau de scorie. C'est ça ce qu'on appelle scorie. Chikanana, Je vous
Bwaluaha muye mufite tonu pavumosi. Mose mutulonde la histoire wa creation. Kadi Branham yeya mulo kwamba mwalu kwenze ka creation. Mose mwamba mune kuchibangi luzambi wafuku julu nubulob. Branham uduwa menitoho. Hadi ufuku julu nubuloba verse wakumujilu. Kwa ajiki. Kimonji kufuku edene to. Edene kafuku to. Pindi ya wudu tangile mu verse 2. Tunitumone ni buloba bukaji kabu yiform. Buloba bukaji ni mijim. Mijima yalu henye. Bwalu apa tunitumbala bamba ni kumpa kakufu na ashe mijima to. Kakufu na ashe bukenka to. Pindi chintu cha kumpali chintu ditumone chihatuka bukenka. Mwunye bukenka. Un halo de lumière, le Fils de Dieu, le Logos, la colonne de feu, la théophanie de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à toi? Pindi a dit tu à toi. Tu dois dire je quoi? Djoulou ne boulop. Hadikou jika. Faba na mudu wamba ni julu nubuloba ndisha ala milioni milio ya bijumu. Bika lano parfe. Mwama ni mwanaka. Pinde telejali. Chintu chijinzambi ulo kufuku. Faba na mudu wamba ni Kriste ele misteri de Dieu revele. Ulo wamba ni chalu nzambi kufuka banjel. Bwali bibi bikenga nani kuikala bantu bavuni chaku mukukuila wakulo yinzami. Wafu kubanje. Pindye. Banje lu. Mbasha ala bijimu ni bijimu. Kujinzami. Echika chinujui chito. Banje lu. Basha di bidimu ni bidimu. Kumpala kwa nzambi. Notangila bwalu bunji nkaba kubweja. Bubwele busombe. Basha lumbasha le bidimu ni bidimu. Kuji nzambi. Tuyayimu konku ni mandamuna. Benebel. Troisième partie. Ni mwana mkale mwanyi ukamuchoka njaku ili nashimu chelu. Pinde teleja. 635. Uduwa mbeno. Maintenant. Les âmes qui étaient en prison. Pinde yo mbisu kipumika na mwuzi buwa lukano. Qui ne s'était pas repenti. Yivu kiyi minyinga lala. N'était pas des êtres angéliques. Qui avait été précipité sur la terre sous la forme des anges. Mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés autrefois. Écoutez bien. Avant la fondation du monde. Lorsqu'il y avait eu guerre au ciel. Entre Satan. Les dragons. Dragon. Et Michael. Ni Michael. Lucifer. Lucifer. Ils furent chassés. Bakabihata. Quand? Dibakai. Il dit. Uruwambani. Avant la fondation du monde. Kumpala kwa julu nibulobu kufuki bobi.
La première chose que Dieu a créée, c'était les anges. Pour qu'ils puissent devenir Dieu. Ah. Pour devenir Dieu, Frère Branham dit qu'il devait y avoir quelqu'un pour l'adorer. Il a créé les anges. Et les anges sont devenus des anges. Et Dieu est devenu Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas être Dieu sans qu'il y ait quelqu'un pour l'adorer. Mais avant qu'il y ait le monde, il y a eu une guerre au ciel. Quand il y a eu la guerre entre Michael et ses anges, Michael et Dragon et ses anges, vous y êtes? Leur place ne fut pas trouvée au ciel. On les a précipités. Quand ils sont venus, des millions d'années. Millions et billions d'années. 637, il dit. Et ces esprits sont venus du trône de Dieu. Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Ils ont vécu dans la présence de Dieu des millions et des millions et des accons de temps avant que le monde ne commence. Et ils connaissaient l'adoration. Et ils sont descendus. Et ont été directement chassés. Et ils sont entrés dans des hommes. Et ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents, malins, instruits. Mais Dieu les avait rejetés. Quand Dieu les a rejetés et qu'ils sont descendus, ce sont eux qui ont commencé à polluer ce que Dieu avait créé. La lumière est devenue les ténèbres. Ce n'est pas qu'eux ont créé les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est la lumière pervertie. C'est pourquoi les ténèbres étaient sur la face de la terre. Frère Branham dit, je vais arrêter bientôt pour vous amener mercredi. Frère Branham dit que tout péché, c'est une justice pervertie. Il dit l'adultère, c'est l'acte juste perverti. Quand vous allez avec votre femme, c'est correct. Quand vous l'abandonnez, vous allez avec une autre femme, c'est l'adultère. C'est l'acte correct, perverti.
Qu'est-ce que le mensonge? C'est la vérité pervertie. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que les ténèbres? C'est la lumière pervertie. Alors cet homme est venu sur la terre. Il a troublé la terre. Il a perverti ce que Dieu avait créé. Quand il a tout perverti, Dieu vient, il regarde, il voit que la terre est informe. Il y a du chaos. Il y a les ténèbres. Dieu dit non, 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 non. Il regarde la terre. Il dit que la lumière soit. Il a pris tous les chaos. Il a pris tout ce qui était fort. Tout ce que le diable avait perverti. Il a formé un Éden. Il a placé sur la terre. Ça, c'est longtemps après. Mais il y a des millions et des millions d'années. Quand il avait créé la terre, elle était parfaite. Parce que le Dieu de la création était dans sa création. Puis, la terre Buloba est informe. C'est que pendant cette période, il y a eu un monsieur qui est venu pendant cette période qui a quitté le trône. Il a jeté sur ici. Et il a trouvé la terre qui était parfaite ici. Il a commencé à pervertir la terre. Pervertir la terre. Toute la lumière là, il a perverti. Il a perverti même la parole. Je vais vous le lire mercredi. Il dit quand il a chassé, le diable est allé vers le nord. Il a créé un royaume mieux que le royaume de Michael. Il voulait que tout le monde vienne dans son royaume. Parce que pour que le diable puisse vous avoir, il veut vous présenter quelque chose mieux que la parole. Vous avez une femme, il vous montre une autre femme, elle est bonne que la vôtre. C'est ça la méthode du diable. Un royaume mieux que le royaume de Michael. Il a tout perverti. Quand le diable est venu pour dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas le message qu'il a commencé seulement avec Ève. Il a commencé son inspiration là au ciel. Hein? Frère Banam dit, il a pris le queue. Et il a pris le un tiers des anges. Mais le prophète dit, ce n'était pas son queue, mais c'était sa manière de parler. Il
Les gens pensent que le diable avait une queue, il a seulement fait comme ça. Balouan torbe la nage diable vous ne mouki le moulé ha kukomba ina uchi toja banjel. Kuma mu non kumu kila banjel bakuluka ngana bosu bamulon. Fait ben ami dit ce n'était pas sa queue. Moi ne te parle pas de moi ne kechi vuchi kala mouki le wenda nasha. Mais c'était sa manière de parler. Karichi vo mushindu ya kuakulei. Il a bien parlé avec les autres anges au ciel. Non. Exactement. Alors il a eu le temps. Voyez quoi, il mange le coco. Gabriel. C'est un malou. Même quoi, mais le Gabriel. Gabriel, mal caï. Où est mon pical de Zambos? Gabriel, allez, katouka. Même le Michel, mon amateur de Zambos. Sambakus. Vous avez mangé le mouka. Coco. Nan, même Lucifer. Lucifer, le nom de l'ingénie. Lucifer, mouen kwa mbani, chidichi balakana. Kibon kai moumoukan doan zamanga nou bejiji, frère Branham ou mbani, étoile filante, ou vous mouika le kumpa le kwa orbite, ou nyon mouluk. Ni Bible du wamba bo Lucifer ni wewe jubulu ngujuvujini ngoloka ba kukululelo wewe vuamba munda mwa menji ebane ni ngela nkwasa wanyu kuru ni ndo mwa nzambi me mwine ni mpita nzambi bwa bankunku ile ka lelo wewe mtoto wa Nkesh mwana wa Lunkelo. Wewe uvunyu nguluko wewe uvumela nkwasa habu ipe nzambi wewe uvua sosia wa nzambi uvuyikile nzambi batukoso leli bakukululu na sha nzambi mujulu kumvoni chemu jenga sosia kapitito nzambi kwamba ni mona amunko kalisifere uni aseme na habu ipe nanyi nkaji mema musomba barun bamani asosia ye musomba bumunji nyishe ye musomba mkwasa nungo sebalu nga sosia Ndiamu ngamba bwalu wenzi mutulu. Na bantu bonsu bedi munenye bedi 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 kongani. Wako hii mutulu mkweo. Hadia mudi sashi diyo. Fred, tomu nifapatiseru wako lafu. We wenzi nungo nchi. Yena, me musukunu ambilisi. Me musukunu ambilisi nunuke. Ndiamu kule bintu bidi bantu basu. Chibi baji kabei baji ngamba kubia kule mkanato baka benu mkua abuwa baku hili mkua abuwa bambil zambi kukulula ubakulula bala kumata mubivu zambi mkreye banga ni jabulu kulonda yi muntu mweden mwanju kupuliwe chikavu zambi mfuka. Mujeneza, mupoliwe, mutransforme, mwele kawo, mwele tenebre. Zambi lota alo amene, no? Kibaka ifrebe na mduwa amene, haji zambi utangali bintuabi, mduwa amene, no. Kelalimye swa.
Udu fatula mpindye ukawo kajima. Ukabumbakaje, ukabumbakaje, tenebre yon suyi nye makanangana, mulumi anu nye makanangana, zambi uteka bujimi buwayede. Uteka bujimi buwayede na, mulumi anaki muleke leto. Fweba na mudu wambe ni mvite yivu ya banjelu, yalu ya bantu. Mvite yivu ya banjelu, ya shadi ya bantu. Mulumi anakulonda mubujimi buwayede. C'est la deuxième fois qu'il est en train de pervertir. Évangile, yogu mufu yinenda mujulu au, mujulu nenda habulab. Eve, mwambi ne, zambi mwamba ne, nenu bade muche ununufu. Wubu zambi pa. Dine revelation ya dikepa. Zambi nka yenda mumenye ni nenu bachi kano yenu foto. Mumenye ni mesu yenu adia bururu. Bushwani. Hasi mumenye. Ele meji ni meme kufuna yenda mujuru. Wako nmanju kumfwa bamba mana. Kono manju kumfwa bamba kudi ezayene astre brillant. Evi nkadi mumfu. Kadi astre brillant udi bamba urumanyi nye. Si même. Na shandi mulwa. Mungi fata mujulu anu walu. Bulelele bumfu muleji. Kibudi mungi fata mujulu. Bulelele bumfu muleji. Uwe mwitabani bini nguambile. Ujulu hebo bunzambi. Munganyi hani mulo bunzambi. Ujulu bunzambi mumbani mutu soko kamani mafita bunu. Adi mutu soko. Eva wuya, Eva tongok. Awu kadi utulonde la mueden. Alu muna mu pervertir eden. Kadi nuvo ni chakumpala, Zambi verset 2, Zambi mutu adijoku korije verset 2. Mutu adijoku korije verset 2, Zambi mutu adijoku ambila banto, mutu adijoku akolomu verset 2, umono buloba, kabu yiforma, kabu yinanyi bunyangu ka, Zambi mpindyewu, ufatule Eden. Après des millions et des millions d'années. Avant wa Eden, ekulo hoka, Zambi mumono nubuloba bukavu perverti ici. Cette partie. Bukadi perverti. Kiyeye kwamba ne. Bidibi kengele ni buloba. Bufienga na mvobu. Iye kutekede. Kwa ngata muntu. Uvu yi mufuka. Kumufweka shamu eden. Ufweka shamu muntu mu edena. Muntu yo mwezamu simila. Kadi ebu bulobe ebu mbweza bobu de millions et de millions d'années. Eden ye, ken plus vieux que bulobe ebu to. Walu Eden, walu après frère madame wamini jikawo, il créa un Eden. Un Eden parfait. Et quand il a créé cet Eden parfait, kinzam kushisha kwambeni, tout est parfait. Hakadi nzambi wambani, tout est parfait ici. Mumani mumani ku corriger bien ce bivoua. Mou corriger. Wenze edena, umoneni tout est parfait. Uteka muntu. Mwabila yuvu babanga nenda mvitu. Uka mwenza mvita muhangi. Ulompinyo ukuluka ni mwedena kabiji. Wamani chena ndekeleto. Fweba namudu wamani, yoyi mvite yivu mibanga mujuru. Iji habulo bampinjeo. Uru wamba ni nenu mbatangele bimpa. Nye utu yumone yende yilo angene munga chumwe tuka tataka. Tonu muyaya yiku shikile kula gere dar magedon. Ula mulo mune na wan zambi. Zambi tuwa sikitilewa ba William Branham.
Zambia no bende shene to manana mutete kuda mdisa. Nite mana ikolo. Ndi muswe kuma. Frère Mwamba, tu connais ça? Ndi muswe kuma. Viens. Malo makwa. Malo a Yesu. Nemo. Sakidila tujitu kutumbisha bwabulongo lojebu bwabupi kuji bujumuika la utuleja zambi wanyi ufumu wakumanya tanto ujumuenza kapanka chepa Genèse chapitre wakumpala kanungu kakumpala likibiji nganyi zambi tuwasa kijila bwamala kinai zambi twasa kijila bwa mukejeu zambi twasa kijila bwa Leonard zambi twasa kijila bwa luki mwana wa muntu ujimu twambile bibintu mbwa kabuluibwa nijilongesha yijifuma kuju wewe zambi chisamba cheba wewa chichifuba kupanga kumanya kaji lelu twalu chisamba cha bushuwa bwalubwa wakwenze dena ujumumbu shakao jukuluka jajabolu bwakuteka ene dena parfait zambi kimujumu kabujuju kwa tamwabeu munda mwa musokweu bwakumbushe chibula bwakumbushe chimvundu ni kwa mene benan kristo kunuvere naissance wa bushu zambi twase kijile bwabulongolo jibweba ita bujaku wa puissance waji kujimuka mukalenga wanyi ni zambi wa chendele udika imwaji kushikila uvo mweza bwani kaoka pabuloba kafika kuedene wabushwa puissance eu tatu wanyi ni zambi wanyi ikala kabaka wakumbu chichibula chosu ni mpekatu kajukufikisha bena kristo baka na chishiki zambi wanyi tatu wa chendele tujitupanga mea tujimuwa kukwambile wakukwele tuwasa kijila walu bintu bitu ama nyilelu biatu junjishi biatu tanchishi biatu enji bena nkilistu babushua ita bujaku fumu wabukole bonsu ni zambi wachendelele bulele lebu walu buwangwe wa zambi ujumu jitandu na hatoka ubwele munda mwamio yetu wahatu ikale mwakumbuka mwabeu tutamba kukulenge lela tuikale parfait ni tuikale beni mubiosu bitu ituenza wabwale wabukalenga buwebe bena shaku mukalenga wanyi ni zambi wanyi bumu wakamba mukalenga mukaji waku seba wambeni wambile Solomoni bene mujimu beba mba jakalengela tatu wanyi ni zambi wanyi ita bujaku wa jakalengela
yakopeta musumba wabantu tubikale biye mwabe munda mwa musokwe tatu mumwele shiba hatoka bona baba teleche meza kumukuju wewe ikane gibenesha tanti shakwekelezi ye munyuma ne mumubiji wabutu mbibu watatu bakulo mini jitabuje mujila ya Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup, Sambaï Koko Kakes. Sandwa Mjolo.